Bobby et Églantine. Vraiment, pense Bobby, les vacances à la montagne, il n'y a rien de mieux. Pour aller à la ferme chercher du bon lait et des œufs, Bobby a attelé Églantine. « Allez, en route !» s'écrie Bobby tout heureux. Mais Églantine n'est pas chèvre pour rien. Marcher au milieu des chemins lui plaît moins bien qu'escalader les talus où poussent les fruits juteux. « Allons, un peu de délicatesse, s'il vous plaît, mademoiselle !» lance Bobby. Tête en bas, pied en l'air, il attrape le tournis. Puisqu'ils sont en retard, le fermier est parti. « Tant pis, pense Bobby, nous nous servirons nous-mêmes. »« Bonjour les oies, bonjour les jarres, » fait-il d'un air poli. « Des courbettes au canard, ce chien est trop esqui, » songe Églantine ravie. « Pour les œufs, c'est par là !»« Oh, le beau raisin mûr !»« Allez-y, je vous suis !» lance Bobby, pas fâché d'avoir quitté les oies. Mais boum ! La chèvre avance et voilà Bobby projeté dans les airs. Pas besoin d'aller à la foire pour jouer à la balançoire. S'envoler, c'est facile. Pour atterrir, c'est encore un mystère. Chèvre stupide, biquette idiote. Oh, quel caractère, monsieur Bobby. Vous pourriez me dire merci. Les œufs que vous cherchiez sont grâce à moi sous votre nez. Tant pis pour les œufs. Occupons-nous du lait. Comment ça marche, cet instrument? Madame la vache, ne remuez pas tant. Pendant ce temps, Griset se régale. Je n'ai jamais bu un si bon lait, pense-t-il en s'empiffrant. Au voleur! Bobby a surpris le manège du Griset. Griset détale en renversant le seau. Si je t'attrape, je te change en pâté. Voleur, fripon, attends un peu, hurle Bobby. Quelle course, font les dindons en ouvrant les désurons. Mais la course pour Griset finit, hélas, au fond du puits. Miaou! Pauvre Minet, personne ne lui a appris à nager. Finir noyé pour quelques gouttes de lait, vraiment, ce serait trop injuste. Mais Bobby a bon cœur. « Tiens bon, Griset, je suis là !»« Gloup, 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 gloup !» fait le chat. « Ouf ! Bobby a tout juste le temps de lui saisir la queue. » « Tournez la manivelle, Églantine ! Ne lâchez pas, surtout !»« Dites-moi que vous m'aimez un peu !»« Oh, je vous aime beaucoup !» s'écrie Bobby. « Tchoum !» fait Griset. Ce qui veut dire « Moi, je vous aime aussi. » Fin de l'histoire.